Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker Dreddy Christ ou Dreddy Christ, je sais pas comment on le prononce, est-ce que c'est en anglais, est-ce que c'est en Dreddy Christ, normalement Black Alejandro. Et ça dit quoi, description? Le son est sorti depuis juin, 27 juin quand même, mais je suis tombé dessus. Déjà c'est en anglais, son black is western name, black under the badges coming in influence. Déjà il y a une description en anglais, c'est intéressant. Et déjà c'est mon gars Télésphore, il m'a envoyé ça, j'avais pas fait attention. Et c'est lui qui a la réalisation, grosse force à lui, il fait des clips de fou. On va voir ce qu'il a envoyé dessus, est-ce qu'il a fait du sale toujours ou pas. Dans la description, déjà je vois la musique camerounaise prend du poids au fur et à mesure que le temps passe. C'est du Cameroun déjà. C'est intéressant déjà, juste au niveau de la présentation, tu vois. Le nom, il fait très US, anglais, tout ça, un truc un peu étranger. Black Alejandro, ça fait très. D'ailleurs, etc. En fait, tu te dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va voir ce qu'il m'a envoyé là, ce gars-là. Cameroun. Attends, c'est qui à la prod? Je sais pas, c'est qui est on the track. Ah oui, c'est qui? Gaux on the track. Énorme. Tantôt cette ambiance, côté western un peu à la. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle celui qui a sorti. C'est un truc de ouf! J'ai pris la claque, c'est bon! Magnifique! Le clip. Magnifique, franchement énorme. Mais j'ai pratiquement les frissons. So you gotta try to be something acceptable. Well, I can't say that's fine by me. But adaptation is my addition. I'm gonna be with no contradiction. And I know myself when no introduction for me. The nigga in my mirror, no stranger to me. But a word fuck. And they be trying to fuck my life up. And my ex-girl be only trying to be my girl. Now she self longer than her ex-status. And my new chick be trying to fuss a lot lately. I'm like, girl, don't let my ex status. And my mom, she really did it like my ex a lot. Said she needed to see an exhaustive. Now she trying to secure up on my new chick bullshit. My new chick bullshit. OF him and that is a lot for so my mother local for real life. Mind though, she was on some other type of shit. Like she want my hair grown and my girl haircut. I was getting mad like Cindy catching head shot. She want me high ball. Mind if I get drunk? Cause how fucked if I had to get my Black Alejandro, they ain't never seen no gringo from Cameroon. No, Negro Alejandro, that's Alejandro. Don Alejandro, chopping with them kilos. Alejandro, that's Alejandro. They ain't never seen no gringo from Cameroon. L'image est dingue. Le style comme ça, tu vois. Attends, je vais te pause. Le style en mode, tu vois, c'est fixe. Mais tu vois, la caméra, elle avance comme ça. C'est énervé, tu vois. Comme elle avance légèrement. Mais la scène, elle est fixée, tu vois. Magnifique. Magnifique. C'est énorme, il y a tout. Il y a tous les détails. Je te jure. Le duo fusionné.
mess around and let my cake burn. All my life I've been a fighter. Lately I've been thinking maybe I should go pro. Killing where they had a drone shot, chop copper, bring it back in slow mo. See the bigger picture's much bigger than the figure, and I gotta add up to much on picture. And I bring the revolution to your television, right to my inefficient. Every time you miss me, it's all cool. Ça colle avec le snare en plus. Black. I was stage clown with some actors. No man, no man about this. When I rest on, I ain't bust on. No, no man, man about this. Body, she got me hot. I'm hot to my heart, I'm a chill. Nigga fuck up her automobile. Cause I be that nigga Alejandro, Alejandro. C'est déjà fini. Oh là là, franchement, énervé de fou. Bravo Dreddy Christ, il a fait du très très sale, franchement énorme. C'est celui qui a l'approche, je sais pas exactement comment il s'appelle Gox on the track, un truc comme ça, et Telesphore. Bravo mon ref, il a fait du très 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 sale, il est pas loin d'aller bosser avec DUS dans pas longtemps, c'est sûr. Je te jure, il a un visuel qui est innovant, qui me fait beaucoup penser à un truc vraiment développé artistiquement. Plus tu sais qu'il est bon, hein, techniquement, c'est lourd. Donc bravo mon gars, Telesphore, t'as fait du sale. Bravo à toi. Je suis passé à côté, mais tu vois, je me rate pas, je rattrape le truc et c'est énervé. Je suis passé à côté d'un gros son. Je vais mettre en playlist parce que franchement, c'est un gros son. Le mec, en plus, il vient du Cameroun, c'est magnifique. Magistral. Magistral le truc. Énervé de fou. Et JD, le gars, il a fait du très très sale, il a un flow pas mal du tout. J'aime bien le délire, il a choisi une prod que pas beaucoup de gens auraient choisi avec le style comme ça. Style un peu à l'ancienne, Texas, un peu, je sais plus comment il s'appelle le gars là qui a fait le son Texas, un peu country, avec un peu street là. Je sais plus comment il s'appelle. Je me rappelle ou pas, non, je sais plus comment il s'appelle le truc. Il a fait, je sais pas, 500 millions de vues ou je sais pas combien. Il a fait le remix avec l'autre gars et tout. Je sais même pas comment il s'appelle. Putain, je sais même plus. Je te jure, je sais même plus. En tout cas, très lourd. Ça change de ce que tu peux entendre en Afrique, au Cameroun, etc. Et c'est bien, c'est ça que je cherche. C'est un truc qui change et qui ramène un côté innovant, artistiquement parlant, musicalement, niveau de la production, niveau de la réalisation, tout est là. Pour moi, il y a tout qui est présent. Il rappe en anglais. Après, je sais pas s'il rappe aussi dans sa langue et tout, mais en tout cas énervé. Et je comprends même pas pourquoi il a que 16 000 vues. Franchement, il devrait avoir encore plus que ça. Il a 18 000 abonnés. Il mérite beaucoup plus. Parce que franchement, c'est du très très lourd. C'est un clip, un son vraiment typé international pour moi, je trouve. Franchement, tu le places dans d'autres coins du monde, il cartonne, je pense. Je pense qu'il peut cartonner si jamais tu le mets bien en avant, tu le promotionnes comme il faut dans d'autres pays, il peut vraiment marcher. C'est le genre de son qui passe les frontières. Et franchement, ça me rappelle le gars là, que j'ai oublié le nom, là, le mec qui fait du. Je sais même plus comment il s'appelle. Ce gars là qui se balade avec son cheval dans les rues des États-Unis là, et qui chante avec son prod de country un peu là, ou de trucs. Donc voilà, en tout cas, lourd, gros travail de son équipe. Il a fait du très très sale. Bravo à Jay Lee Chris, Telesphore. Et lourd, Gaux on the track, ou Gaux on the track, il a fait du sale aussi. Donc voilà, on se quitte dessus, à la prochaine, et ciao ciao.